préparé, tu l'avais préparé. Mais elle l'a déjà, elle okay. l'a déjà. Donc moi, je vais juste faire le tableau 4A, en fait. Oui, plus, pour qu'elle puisse surveiller l'évolution du traitement, montant, a priori. Le budget que vous avez prévu pour lui. Voilà, ok, je prépare. Donc si tu peux répondre au mail de Michel, ouais. 24 du 10, et envoyer ces documents-là, comme ça, ça s'est clôturé sur ce point-là. Donc avant de rentrer dans la segmentation, je dois vous présenter quelqu'un. Il y en a qui ont déjà eu cours avec moi en deuxième bac. Vous connaissez cet animal? Il est comment? Mais il est fantastique. Certains d'entre vous vont avoir affaire à lui à l'examen. Vous voyez son menton noir là? Ça, on verra plus tard comment ça se fait que son menton est noir. Mais donc, je voulais vous présenter le chat. Cet animal qui accompagne tout, quoi. Personne ne vous a jamais expliqué pourquoi cet animal est le sommet de l'évolution? Comment? Il fait rien de ses journées. Il est fantastique. Bon. Allez, hop. Le clivage. Alors, il faut bien commencer par quelque part. Et donc ceci, ben, cette structure-là, on la verra plus tard. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'origine des cellules germinal. Je suis désolé pour le... Ah, voilà, monsieur Herman. Voilà. Donc, je ne parviens plus à glander. C'est un fait. Et ça, c'est la conséquence du fait que l'émission qu'on doit remplir hein, en tant que responsable de laboratoire, d'enseignant, etc., elles sont infinies. Je pense que c'est salutaire de ne rien faire. Parfois, je me force, mais rien à faire, les pensées... me dépasse, quoi. Alors, c'est une bête fantastique. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Donc, on va voir ici... Donc, ça veut dire que si à un moment donné, je m'arrête, parce qu'il est 6 heures du soir, et je me dis, ça va être l'heure de faire une pause, eh bien, j'y parviens pas. Et je commence ma pause, je me dis, mais en fait, je relèverai peut-être bien encore mes emails, et il faudrait peut-être que je refasse ceci. Ah, ben tiens, je vais déjà prendre de l'avance sur une réunion qu'on doit avoir demain, etc. Donc, je ne parviens plus à lâcher prise, en fait, à m'arrêter. Et quand on s'arrête, quand on a une demi-heure de blanc, de creux, alors on tourne en rond et parfois on se sent mal. C'est ça que je veux dire quand je dis que je ne parviens plus, qu'il n'est plus possible de s'arrêter, donc plus possible de glander. Or, c'est tellement bon. Il faut apprendre à ne rien faire. Patrick m'a répondu, quoi. Ok. Pour tu vois ça quand tu veux. Tu viens dans mon cours, je te dis 10h30 à 11h30, il y a quelqu'un qui vient me voir pour autre chose. Ah bah, je vais super, merci. Je tremble en plus, hein. Je peux me faire ceci. Où mes idées me viennent.
chambre, il y a un endroit qui est particulièrement agréable, c'est son lit. Énormément d'idées quand on se laisse vaquer aux pensées. Donc j'ai souvent des idées dans mon lit. Mais des idées, attention, hein, des idées pour le boulot, hein, pas des idées, pas nécessairement des idées saugrenues, n'est-ce pas? Le lit, ça c'est très bien, le labo. Énormément d'idées qui viennent en discutant avec les gens avec qui je travaille. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important, les idées. Énormément d'idées qui viennent quand j'écoute les autres, quand on voit des congrès, des réunions scientifiques. Le dialogue, partager, communiquer, ça génère énormément d'idées en lisant. Mais est-ce que cela est associé à des lieux particuliers? En général, quand on va à des congrès, on est quand même mis dans des conditions où on est bien. Ça peut être sur la Riviera française, près de Marseille, ça peut être dans un parador en Espagne. On est un peu moins stressé et ça aide, je pense, à avoir des idées. Mais je pense que si dans nos métiers, on s'arrête de penser, c'est la fin du monde, quoi. Donc, penser, ce n'est certainement pas perdre du temps. Penser, c'est construire. Penser, c'est découvrir, c'est inventer, c'est apprendre. Et ça, ce sont des activités qui sont cardinales dans une société, dans une culture. Sans ces activités-là, que sont la recherche, la découverte, l'invention, l'inventivité, mais c'est dès que c'est de la décadence. J'ai vraiment des difficultés à lire des romans parce que, à travers mon activité scientifique, je suis amené à lire énormément d'articles scientifiques et la littérature scientifique, qui correspond finalement à des données, puis l'analyse de données, l'analyse critique des données. Mais la littérature scientifique, c'est une littérature extrêmement stylisée, extrêmement codée. C'est pas comme ça qu'on lit un roman. Lire un roman, il faut se laisser porter par une histoire, il faut se laisser porter par le non-dit, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'allusions, il y a de la symbolique, etc. On ne trouve pas ça, bien entendu, en littérature scientifique. Et donc, quand je lis un roman, bien sûr, on met en scène des personnages. Quand un personnage, Dupont, intervient à la page 258 et qu'il est déjà intervenu à la page 34, moi je retourne à la page 34. Et à la page 78, il est réapparu à la page 78, et ainsi de suite, pour pouvoir si, ah oui, c'était bien lui, c'est lui qui avait fait ça, ah, c'est lui qui avait dit ça, ah, mais tiens, on dirait qu'il se contredit pas, enfin bon, bref. Dans mon chef, c'est une déformation professionnelle, dans la mesure où, moi je suis prisonnier de mon mode de lecture. Ce n'est pas le cas de tous mes collègues scientifiques, hein, que je connais plein de mes copains de boulot qui, eux, au contraire, ils prennent le roman parce qu'ils changent de mode de lecture, ils changent de mode d'analyse, ils sont ailleurs, et le roman est une fuite, hein, c'est un moment de vacances, quoi. Mais moi, j'y parviens plus, on va dire. Et donc, quand je lis pour le loisir, quand je sors un peu du champ de mon activité de recherche, alors ça sera des livres d'histoire, des livres de culture scientifique, mais d'un autre type que ce que je pratique dans le boulot, etc., quoi. En fait, ce sont des personnages très proches, l'artiste et le scientifique. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, la science ne construit pas, ne génère pas des vérités. Hein. La vertu première de la science, c'est le doute.
Donc le scientifique, bien sûr, on va dire, il découvre le monde. Non, il est à la rencontre du monde et il propose un modèle qui peut être descriptif, qui peut être explicatif, qui peut être prédictif. Et ce modèle-là, c'est une construction. C'est une construction du scientifique ou d'une équipe de scientifiques ou une construction de la science. Et cette construction-là, elle émane d'une démarche créative qui est très proche de la démarche artistique. Parce que la relation au monde extérieur, c'est le décrire et le comprendre, c'est-à-dire l'appréhender, hein, dans le sens positif du terme. Et ça aussi, je pense que le scientifique et l'artiste sont vraiment dans le même genre de démarche. Et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je cherche ? C'est une question à double sens, parce qu'on cherche le bonheur. Hein ? Mais je ne pense pas que c'est dans ce sens-là. Le chercheur, ici, qu'est-ce qu'il cherche ? Mais nous, on essaye de comprendre des mécanismes, on essaye de comprendre comment est-ce que un embryon se forme, comment est-ce qu'il peut être parfois mal formé. On essaye d'établir des associations entre le développement de l'embryon, des pathologies chez l'enfant ou chez l'adulte. Voilà, c'est ça qu'on cherche au labo. Mais fondamentalement, on cherche le bonheur, non ? Hein ? Même si le bonheur c'est une construction, hein, c'est une aptitude, le bonheur. Voilà, alors est-ce que je m'arrêterai de chercher ? Non, je pense pas. Je pense qu'on arrête de chercher le jour où on rend son dernier souffle, quoi.